Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Les zones humides sont vitales pour la survie de l'humanité. Elles sont parmi les milieux les plus productifs de la planète. Elles constituent un réservoir d'eau douce. La valorisation des ressources en eau est un défi pour tous. Elle constitue non seulement un facteur de développement économique, mais permet aussi une gestion rationnelle de l'eau. Et puis, les jeux vidéo ont la réputation d'être violents et débilitants. Pourtant, de récentes études montrent qu'ils améliorent les capacités cognitives différentes selon le type de jeu. Démarrons ce journal par cette nouvelle brève. La campagne de vaccination contre la COVID-19 a bel et bien démarré au Bénin ce lundi 29 mars 2021, comme décidé par le gouvernement. Devant les acteurs de la santé et les représentants de la communauté internationale, le ministre de la Santé et la ministre des Affaires sociales ont donné le ton en se faisant injecter une dose du vaccin. Dans le cadre de la dite campagne, 78 sites de vaccination sont ouverts dans 4 départements, à savoir le littoral, l'Atlantique, l'Ouémé et le Borgou. Les autres départements auront des sites dédiés au personnel de santé de première ligne. Vous aurez plus de précisions dans nos prochaines éditions. Les zones humides jouent un rôle important en tant que solution naturelle dans l'adaptation au changement climatique. Elles sont également considérées comme des sources d'eau douce. La contribution des zones humides à la quantité et à la qualité de l'eau douce sur notre planète, c'est dans ce reportage. Berceau de la diversité biologique, les zones humides fournissent l'eau et la productivité primaire dont un nombre incalculable d'espèces, de plantes et d'animaux dépendent pour leur survie. Elles sont vitales pour la survie de l'humanité. Si vous prenez exclusivement l'activité pêche au niveau des zones humides, ça fait qu'il y a des gens qui ont des activités, il y a des gens qui ont de la nourriture et il y a des gens qui ont des moyens pour subvenir à leurs besoins. Si vous prenez le cas de la mangrove, c'est seulement au niveau des zones humides que vous les avez. Lorsque vous prenez les tifas, c'est seulement au niveau... Et même, il y a des forêts qui sont des forêts galeries qui sont dans les zones humides. Donc, vous avez toute cette biodiversité-là qu'il y a au niveau de ces écosystèmes qui font que nous devons les utiliser de manière intelligente pour aujourd'hui et pour les générations futures. Cependant, les unes après les autres, les études démontrent que dans la plupart des régions du monde, les zones humides subissent un déclin continu dans leur superficie et leur qualité. Ces zones humides sont menacées de dégradation, de destruction, parce que d'abord, il y a la menace donc, par rapport à l'agriculture. Les gens agressent donc, ces différents milieux-là actuellement. Parce qu'il y a des zones, des sites comme ça, où on a constaté qu'aujourd'hui, l'urbanisation sauvage fait que les gens, ils agressent ces zones-là et vont faire des activités qu'on ne devrait pas. Donc je crois qu'il faut sensibiliser aussi bien les autorités centrales, donc locales et les populations, sur l'importance de ces zones-là pour la vie. Il n'y a pas de zone humide sans eau. Et il n'y a pas d'eau sans les zones humides. La bonne partie donc, des eaux douces donc, provient donc, des zones humides. Donc si nous voulons continuer à avoir de l'eau de bonne qualité, si nous voulons que les zones humides continuent à jouer un rôle important par rapport au cycle de l'eau, c'est que nous devons les conserver et les protéger. Selon la FAO, 3900 km3 d'eau sont prélevés chaque année des rivières et des aquifères pour l'agriculture, l'industrie et l'approvisionnement local. La préservation et l'utilisation durable des zones humides sont de véritables solutions fondées sur la nature et doivent être une priorité pour garantir le maintien des services rendus par cette dernière à l'humanité. Et parlons justement de l'eau. La croissance des besoins en eau va s'accentuer et exige une mobilisation de tous sur des solutions d'avenir. La valorisation des ressources en eau est fondamentale pour satisfaire donc les besoins de la société. André Zogo, coordonnateur du Partenariat national de l'eau, parle de l'espérance du Bénin en la matière. La valorisation de l'eau, vous voyez tout ce qui est utilisé lorsqu'on a mobilisé l'eau
au niveau des retenues d'eau, des barrages pour faire l'agriculture, mais aussi des barrages hydroélectriques qui produisent l'hydroélectricité. Et à ce niveau, nous avons également le multi-usage, l'eau est mobilisée pour l'hydroélectricité, l'agriculture, mais aussi d'autres fins, les éleveurs qui amènent les troupeaux pour s'abreuver et les femmes qui utilisent l'eau de la cuvette pour transformer et pour faire les transformations agroalimentaires. Voilà quelques usages. Et au niveau du partenariat national de l'eau du Bénin, nous avons accompagné certaines communes à valoriser l'eau des forages artésiens, par exemple dans le Mono et le Koufo, qui se déversent dans la nature et qui créent des problèmes jusqu'à faire disparaître certains villages. On a accompagné ces communes du Mono et du Koufo à maîtriser cette eau des forages artésiens, à l'utiliser pour donner de l'eau potable à la population et à envoyer l'autre partie sur des sites hydro-agricoles qui permettent de faire le maraîchage, surtout en contre-saison. En contre-saison où il ne pleut pas, mais où les problèmes de sécurité alimentaire se posent. Aujourd'hui, nous avons une tendance vers la valeur financière de l'eau. Et ça transparaît un peu dans les mécanismes qui sont mis en place pour fournir, par exemple, de l'eau potable aux communautés. On va un peu plus vers la privatisation. Et cette privatisation peut amener à oublier un peu le côté social ou la valeur sociale de l'eau. L'eau est maintenant cotée en bourse. Et ça, c'est un événement majeur qui appelle vraiment l'attention de tous les acteurs à se mobiliser pour qu'on ne verse pas dans certaines dérives. Autre élément dans ce journal, souvent diabolisé dans un monde où le numérique prend plus d'ampleur, les jeux vidéo sont considérés aujourd'hui comme une source d'effets négatifs sur ceux qui s'y adonnent. Mais de nos jours, plusieurs études prouvent que les jeux vidéo présentent plutôt de nombreux avantages sur le plan sanitaire, intellectuel et autres chez le joueur. Jeux vidéo, avantages et inconvénients, c'est un sujet de Josué Daniel Sosa. Jouer aux jeux vidéo est une source d'inspiration pour Raoul, une nécessité pour atteindre son objectif, celui de devenir un footballeur professionnel. Et pour réaliser ce rêve, il crée ce centre de jeu. Le but visé par ce jeune est de se divertir tout en copiant quelques techniques du football qu'il met en pratique dans la vraie vie. En réalité, j'aime jouer le football. D'abord, la personne qui m'a inspiré pour le football, c'est Cristiano Ronaldo. C'est l'idée du football qui m'a conduit vers l'ouverture d'une salle de jeu. Les jeux m'amènent à me surpasser dans la vie active. En jouant, je tire des choses du jeu et qui, grâce au travail, j'essaie de les pratiquer. Jouer aux jeux vidéo présente aujourd'hui de nombreux avantages comme stimuler la réflexion, apprendre la stratégie et l'habileté. Tout jeu vidéo est construit sur le principe de la persévérance. Ça amène l'apprenant ou bien celui qui s'adonne à ce jeu à avoir la capacité de franchir des étapes. Donc ça demande de lui de résoudre des problèmes. Cela fait qu'il est obligé de chercher des solutions par lui-même à un problème qu'il rencontre sur le jeu. Et donc c'est des obstacles que le jeu lui présente. Donc le jeu peut améliorer la capacité de cognition et donc l'aspect intellectuel des sujets. Dans la vie active, ça peut amener l'individu à avoir une motivation soutenue dans la perspective d'atteindre un résultat. En dépit de ces avantages, les jeux vidéo peuvent également être source d'inconvénients en cas de dépendance ou d'addiction. Lorsque le joueur ne sait pas sélectionner les moments de distraction, ça peut concourir à d'énormes pertes de temps. Et surtout pour les jeunes, ils délaissent les activités scolaires et pédagogiques et ça peut entraîner la baisse de rendement, et l'échec scolaire, parfois le décrochage ou même des comportements délinquentiels ou antisociaux. Parce que la violence ou bien les différents scénarios qu'on observe dans le jeu peuvent, n'est-ce pas, soumettre le sujet à des conduites qui l'amènent à développer de la violence, qui l'amènent à développer de l'agressivité, qui l'amènent à développer les conduites suicidaires. Il faut jouer, il faut modérer et il faut choisir les types de jeux qui puissent participer à la construction de la personnalité de l'apprenant. C'est en cela que les adultes et les parents qui s'y connaissent
doivent intervenir et accompagner le jeune dans le choix et dans les moments de jeu. S'il est vrai que la pratique des jeux vidéo est saine et ludique pour 95% des joueurs, il est essentiel de faire attention à ces risques sur la santé du joueur. Suivons à présent les autres faits ayant marqué l'actualité nationale. La Nation en bref est présentée par Ulvaus Balogun. Les jeunes de 15 à 35 ans qui désirent lancer leur activité génératrice de revenus pourront désormais bénéficier d'un financement non remboursable de 200 000 francs CFA par personne grâce au projet d'inclusion économique et sociale des jeunes PRODIGE. C'est une information de Urbain Amegbedi, directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Selon lui, le projet qui sera lancé dans quelques jours prend en compte le volet financement de plus de 40 000 jeunes, dont 20 000 filles. Le projet d'inclusion économique et sociale des jeunes est financé à plus de 33 milliards de francs CFA grâce à un accord signé entre l'Association internationale de développement et le gouvernement du Bénin. La campagne de vaccination contre la COVID-19 démarre ce lundi 29 mars 2021 au Bénin. Selon le ministre de la Santé Benjamin Nkwati, 78 sites de vaccination ont été retenus et seront ouverts dans 4 départements, dont le littoral, l'Atlantique, l'Ouémé et le Borgou. Lesquels départements concentrent à eux seuls plus de 95% des cas enregistrés. Cette première phase de la vaccination concerne surtout les cibles résidant dans ces 4 départements et répondant aux critères retenus tels que être un agent de santé, avoir une maladie comme l'hypertension artérielle, l'asthme, le diabète, la drépanocytose ou l'obésité et enfin être âgé de plus de 60 ans. Les écureuils du Bénin jouent ce mardi 30 mars, la dernière journée comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Après avoir été défait dans les ultimes secondes par le Nigeria 1-0 samedi 27 mars dernier, Michel Dussuyer et ses poulains sont donc attendus en terre sierra-léonaise où la défaite est interdite si le Bénin veut s'offrir une place au Cameroun. Avec 7 points au classement dans le groupe L, le Bénin disputera donc une finale pour la qualification face à la Sierra Leone. Hors du Bénin, la crise de COVID-19 a fortement impacté le tissu économique des entreprises sénégalaises et ceci dans plusieurs secteurs. Pour les micro, petites et moyennes entreprises qui évoluent dans la commercialisation des produits agroalimentaires et l'ensemble des acteurs qui interviennent dans les chaînes de valeur agroalimentaire, la situation s'est même plutôt aggravée. Ces MPME qui ne disposaient pas d'infrastructures de stockage comme des entrepôts ou des chambres froides ont vu leurs pertes post-récolte augmenter. Elles ont mis en place un certain nombre de mesures d'adaptation de leur stratégie commerciale et de leur stratégie d'approvisionnement pour atténuer les effets de la crise. Dans le cadre du plan de relance, l'État a décidé de promouvoir la viabilité de certains secteurs stratégiques, dont l'industrie pharmaceutique, l'agriculture et la transformation industrielle. La mise en place d'infrastructures de stockage constituées d'entrepôts et de chambres froide au niveau des zones de production horticole constitue une réelle demande des acteurs. Retrouvez ce journal sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.